Cette vision a clairement été envoyée par le binocle. Hein. Mais lui, je pense avoir dit qu'il allait nous accompagner. Oui. Mais lui c'est avoir. Que là, avoir dit que lui est en retard, c'est ça? Donc, on va pouvoir nous occuper un petit peu en attendant. Avant que lui arrive, oui. À toi, pouvoir faire temple alors avec Mamitella. Oui, si d'autres personnes veulent nous venir, c'est si... avec plaisir. Sinon, nous ouais, tous nous bien. Accompagner pour voir. Si vous voulez, chef, c'est vous qui décidez. Ou alors ceux qui veulent se tiennent derrière toi. Moi, y avoir déjà été, donc moi, continuer à installer aussi. Atelier peinture. Enfin, moi, avoir été aussi tout à l'heure. Moi, je veux bien y aller alors. Oui, enfin, pour toi, Styx, je sais pas si le binocle, enfin, vu que tu n'es pas encore totalement man affiche, je sais pas comment ça va se passer, on verra. Et les stagiaires, ça va bien se passer. Je peux vous aider. Oh, mais tu peux peut-être avoir un esprit avec toi, hein, petit compagnon. Elle nage sur sol. Mais, même si je fais pas prière avec vous... Peut-être que je peux vous aider à rendre prière plus puissante. Bien sûr. Après tout, tu es aussi un enfant de la binocle. Tu vois, je ne parle plus. Voilà. On va travailler là-bas. Nous, alors, nous rentrons au temple. Vous pouvez peut-être regarder s'il manquait quelque chose, ressources ou autre. Juste une question, il y a encore du stock de nourriture? Salut Sakou. Dans le feu. Comment tu vas Sakou? Nous avoir été un peu chercher de flush là tout à l'heure. Vu que nous puis pouvoir manger poisson. Il y a de la nouvelle viande un peu bizarre. Oui. Mais Gobo est bon avoir ramené beaucoup poisson petite dent hier. On peut ramener un peu manger la petite dent. Beau travail Gobo. À ce oui, propos, tout est dans le feu. Tout est dans le feu mais déjà bien parti je crois. Pas besoin d'aller chercher du coup. Oh, je verrai bien. Mais sinon, retourner chasser, oui. À ce propos, Manafish, je tiens à vous préciser, à vous mettre en garde, hein, que le grand esprit de le binocle a bien dit de respecter les règles qu'il avait fixées. Hein. Sinon, notamment, lui punir nous et rappeler les esprits des compagnons qu'il a amenés ici pour nous servir, hein. Donc, nous bien faire attention, plus manger le poisson, chasser l'esprit de le grand Speck. Surveiller, mamie, t'es là! Et nous avons le droit de manger viande de petite dent, celui-là. Oui, attends. Oui, tout à fait. Mais juste petite dent. Juste petite dent et esprit de le grand Speck. T'es là, c'est à toi ça. Oui, mamie. T'es là, Donc avoir deux poissons qu'on peut sasser pour nourrir. La binocle! Oui. Il dit surveillez mamie Tella. Ah bon? Oui, hier. Oui, très important. Il a dit très important, Tella. Bah, il faut dire ça au chef. Moi, je ferai une prière pour toi, mamie. Ah oui, mais je veux pas. Si nous ne faisons rien, tu mourras tôt ou tard. Nous sommes obligés. D'essayer ce que nous devons essayer. D'accord. Et pour tes frères ici présents, ce ne sera qu'une première expérience. Mais soyez conscients que cette allée est peut-être ce retour pour votre nouveau frère. Mm-hmm. Profitez de ces derniers instants possibles à ses côtés. Je fais le prix. S'il n'est pas assez fort, c'est la dernière fois que vous le verrez.
Oh, grand le binocle protège Styx. Oh. Laisse-le rejoindre. Merci. Oui, je prie pas dans le trajet. Le manafé. Ça risque d'être important. Oui, je vous laisse vous installer le temps que nous arrivions à l'endroit donné. Asseyez-vous bien, oh, car il est possible que les vagues vous emportent. Oh, Zogizo Izino Ziha, Manafi, Manawa, Manafi. Oh, les viatons allaient très vite. Oh, c'est bon ça. Eh, vas-y, c'est bon ça. Protège Styx. Ah. Si tu veux pas, je prie pas, hein. C'est pas grave, hein. Je crois qu'on aura un problème pour monter ma vitesse là. Oui. On va m'asseoir, hein, oui. Excuse-moi. Je n'ai pas voulu te faire boire la tasse. Mais Ah, elle se réveille. Ah mon dieu. Ah, trop bon. C'est bon. Vous devrez... Oh, je vais le faire après. Ça va? Je vais vous éclairer dans cette... Le goût, c'est bon? J'arrive. Ok. Merci. On garde Della au centre. Allons-y. Attendez, s'il vous plaît, Globo, il est pas là. Ah si, si, c'est bon. C'est bon, ok. C'est bon, c'est bon. Comme vous l'avez vu, s'il vous arrive malheur, il y a ce qu'il faut sur Leviato. Pour revenir. Oui, on va avoir vu, oui. Della, reste au centre du cercle. Della, enfin, si on arrive à former un cercle. Attention. Ah. Oh. Oui, attention, oui, effectivement. Oh. Aïe, 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 aïe. Ça va ? Chef, allez. Un mois bien mordu, hein. Mais chef, c'est vraiment une sacrée bestiole, ça. Vous avez été impressionnante. Attention, derrière ! Un autre ! Un autre ! Chef. Votre instinct devrait vous pousser à vous faire sortir les écailles de votre dos. Qu'attendez-vous? Effectivement, ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Mais dans ma vision du truc, en fait, ça pourrait effectivement tout à fait être ça. C'est pour ça que Fleury va devoir faire des recherches. Après, on verra où est-ce que le RP va nous mener, en fait, d'une certaine façon. Oui, oui, hein. Oh, Zigouigoui. Zigouigoui. Ne avancez pas, attendre. Zigouigoui. Oui, chef. Patientez ici quelques instants, mes petits. M'habitez là au centre. Je veux savoir faire ça. Oui, moi aussi j'aimerais bien, oui. C'est quoi, c'est pas en fait? Oui, mamie. Mamie. Oh non. Ça marche pas. Mamie est derrière. Mamie, on l'a perdue. Elle est là-bas. Elle est perdue. Oh, mais... Mamie. Mamie. Mamie, ramène-toi. Mamie. Je veux te dire, mamie au centre. Mamie. Reste avec nous. Mamie. Tu refais plus ça, mamie, hein. J'ai vu une chose marrante. T'es là. Oui, mais toi, pas aller voir. Toi, sois. On est pas bien organisé du tout. Par là-bas que nous nous dirigeons. C'est beau ici, j'aime bien. Alors, allez, mamie. Allez, mamie, par là. Oh, mamie, mamie. Oh, mamie. Mamie, tu devrais garder une lumière sur toi. Oh, mamie, mamie. À défaut de ne pas en être une. Eh mon dieu. Ah, oh, j'aime bien Globy. Bien trouvé, oui. Mamie, Globy. Mamie. Regardez la lumière, à défaut de pas en être une. J'aime beaucoup. Ça m'arrive parfois des éclats de... C'était rigolo. J'ai rigolé dans ma barbe. Je rigole beaucoup. Ah putain. Ça ressemble à ce que j'ai vu dans elle. Oh oui. Oh, et vous avez vu le même tête que chez Orca et Orki. Mamie, par ici. J'ai pris grand soin de refermer cette porte. À présent, elle s'ouvre à nouveau.
Oh oui. Ah, ça a été exactement pareil. Oui, mmh. Le rappel, ouais. Allez, on y va, mon affiche. Merci, le binocle. De rien. Tu me remercieras après. Bienvenue dans la zone de reproduction. Cet endroit a la température idéale pour qu'un manafiche puisse s'épanouir et devenir un véritable manafiche. La raison de votre présence ce soir est Styx. Styx. Ah, oui. Styx, avancez. Oui, oui, je suis là. Faisons une étonneur, oui. C'est vraiment trop d'honneur. Aujourd'hui, Styx, ce n'est pas moi qui est à l'honneur, c'est toi. Pour ta dernière soirée, tu es à mon égal. Accompagne-moi. Oui, dernière soirée. Installe-toi sur ton fauteuil, Styx. D'accord. T'es bon, Et pour Manatwix, oura oura. Et pour Manatwix, oura oura. Oura oura. Oura. Flap flap. Flap flap aussi. Pour la première fois, mes petits, Styx est considéré comme votre égal. Ah. Pour la première fois, pas il fait partie entière de la tribu. À savoir si cette chose restera. Écaille, sans rentrer. Par contre, on veut pas que la moitié de lui. Écaille, rentrez maintenant. Oui. Justement, ça sera à vous de juger. Pour la première fois, si la transformation l'a bien réussi. Si vous le jugez indigne, pas assez cultivé ou trop faible, vous devrez vous débarrasser de lui. Me suis-je bien fait comprendre? Mais quand vous dites se débarrasser, au cas où on peut le manger. Ah, toi manger autre menace. Un poisson, Berk. Vous sale. Trouvez ça impropre, et pourtant c'est ainsi que je vous ai conçu. Si le manafiche transformé n'est pas assez fort, il vous renforcera vous, donc vous devrez le manger entièrement. Ça vous rendra beaucoup plus fort, et vous verrez que sa chair sera certainement la chair la plus goûtue que vous n'ayez jamais mangé. Mais seul un manafiche mal transformé doit être mangé. Si un manafiche qui fait partie entière de la tribu est dévoré par les siens, alors je donne peu de votre vie. Je m'occuperai de vous personnellement. Avez-vous bien compris, mes bijoux? Oui, grand le binocle. Oui, grand le binocle, c'est là. Alors, bientôt. Oh, surtout sur escalier, pourrez... c'est là. Oui. Oui, c'est vrai que je n'ai pas une apparence très grande en étant avec mon apparence de manafiche. Mais comme tu l'as vu, t'es là. J'ai certaines de mes apparences légèrement plus imposantes. Hey, t'es là! Bientôt, vous pourrez commencer
la danse pour voir si le rituel de passage en manafiche adulte se fait. S'il ne se fait pas, le manafiche deviendra fou. Il sautera sur lui-même et aura des paroles incompréhensibles. À ce moment-là, vous devrez l'exécuter, lui couper la tête d'une certaine façon et lui arracher toute la peau qu'il possède sur le corps, jeter la peau et manger la chair. Souvenez-vous-en, mon vieux rire. On arrache la peau, oui, on jette la... Styx, oh, grand le binocle. As-tu des questions? Oui, je viens juste après, oui, pour vos questions à vous, mes bijoux. Oui, oui. Je suis pas très serein, mais... avant de partir, sachez que je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, si jamais ça tourne mal. J'ai également quelque chose à vous proposer, à vous offrir. Il s'agit de mon trésor. Tout à l'heure, j'en ai parlé, et j'ai un trésor de Mu. Ce trésor n'a pas de prix. Il est incontournable auprès des Zoïdes. Et peut-être que, si ça tourne mal, vous pourriez utiliser ce trésor avec les Zoïdes, ou contre les Zoïdes. Ce sera à vous de voir, mes amis. Abinok, peut-être avez-vous un coffre dans lequel je peux dissimuler ce trésor de Mu? Bien sûr. Ça devient fou, moi, couper tête, oui. C'est pas Jumper, c'est bizarre. Pourquoi les yeux émettant la Mu? On regarde ça après. C'est une énorme confiance que tu nous accordes là. Espérons qu'il est avec nous, oui. Moi aussi, je vais verser ma petite larme à son départ, comme les Zoïdes, s'il doit partir. Il n'est pas encore parti, ne t'inquiète pas. Tu pourras me tenir main si ça arrive. Oui, bien sûr. Merci. Je suis sensible. Oui, mais sinon, au pire, tu roommates tes lupères, là. Tu es haut et tu retourneras à la mer, t'es là. Et... Tue-toi haut et tue-toi retourneras à la mer, excusez-moi, t'es là. J'ai eu une petite absence à nouveau. Oui, c'est pas grave. Ah. Tes frères doivent faire le rituel et tu dois donner tes dernières volontés si jamais cela se passe mal. Pour le rituel, vous l'avez tous en vous, à l'intérieur de vous, donc je vais en choisir l'un d'entre vous qui sera accompagné par votre guide spirituel, mais c'est celui que je vais choisir qui mènera à la danse. Et celui que je choisis, c'est toi, mon enfant. Oh, grand cherche au fond de toi la chanson du rituel avec la danse. Fleury pourra t'aider. Puis-je dire un mot avant? Bien sûr. Alors, déjà, je voudrais dire un mot pour Styx. Je voudrais lui dire que... peu importe ce qu'il adviendra, cela aura été un honneur de savoir qu'une partie de lui aura été manafiche, à défaut que ce soit l'entièreté de lui-même. Merci. Merci beaucoup, Fleury. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis moi aussi touché, et que nous t'accompagnerons et que tu resteras, je pense, parler au nom de tous les manafiches. Comme un grand manafiche pour nous tous. Autre mot que je voudrais te poser, la binocle. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour
augmenter les chances que cela fonctionne. Faire tomber la personne amoureuse est la meilleure chose à faire pour être sûr qu'une personne devienne un manafiche. Peut-être amoureux. Malheureusement, il a attrapé cette maladie par erreur. Alors, un autre chemin doit être emprunté. Digouigoui. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire à Styx, au cas où? Il dira après, parce qu'il est fort, il va rester là, oui. D'intérêt, oui. Il aurait bien parlé. Ah, tu as raison d'avoir confiance en ton frère. Mais je ne voudrais pas que tu aies des regrets. Soyez confiants que ça peut vraiment être la dernière fois que vous pouvez lui parler. Dans quelques minutes, peut-être qu'il ne sera plus là. Peut-être qu'il sera entièrement manafiche et un de vos frères. Peuvent être changés. C'est votre volonté qui fera ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter encore quelque chose? Tue-toi, Eo. Tue-toi, redeviendra mère, t'es là. Oui, bon. On va voir ce que ça donne. En ces cas-là, je crois qu'il est... Installe-toi.
temps d'y aller. Fils. Oui. Je savoure. Je m'installe. Le moment présent. Nawat. Accompagne-moi. Fiche. Mets-toi au fils. Nawat. Fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens. Yep, yep. Regarde, par exemple, tu te mets à... Voilà. Tu danses comme ça et puis... Tu dis les saintes paroles. Elles te viendront naturellement. Regarde, Fleury. Fais ta prière, Fleury. Oui. Montre-lui. Plus trop d'idées là. Très bien. La tête est un peu chauffée. Très bien. Eh bien. Si je me serais rappelé, j'aurais dit la chose. Mais malheureusement. Si c'est bon pour vous, mes enfants, il est temps pour vous d'accompagner votre frère dans une belle danse comme vous savez les faire. Avant que les dés ne soient jetés. Manastix. Manastix. Les dés sont jetés. Anda grande, Alejandro Valero, this time, on Twitch, Andera, hey, Waka Waka, hey, Anda grande, Alejandro Valero, sa transformation est en train de se faire, this time for Twitch, Mana Twitch game, Twitch game, Mana Twitch. Andale, andale, ha, hey, hey. Natwix. Mana, mana, hey, hey. Andale, andale, ha, hey, hey. Mana, mana, hey, hey. Mana, mana, hey, Twix. Mana, 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 Twix. Mamie, peut-être tu pourrais faire ta chanson. Faut lancer d'abord. Tout. Ah, Abinoc. Oui. Oui, tout le monde. Et si on se mettait 61. Tous en ligne, là. Tous en ligne, tous en ligne. Ah oui, 61. Abinocle, tu n'es pas. Te
galaxie, mais du fond de la nuit, la binocle, la binocle, tout. Si loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver les bas d'affiche. La binocle, tu n'es pas... À l'intérieur de lui est reparti. Mais malheureusement, il n'est plus Manafish. Petit à petit, il redeviendra Aoid. Vous comprenez qu'il est donc une menace. Il se rappelle de beaucoup trop de choses. Oui. Peut-être un Styx, oui. Il n'est plus le Styx que vous avez connu ces derniers jours. C'est bien dommage. Attendez, proprement. Ne soyez pas des sauvages. Attendez. Al, je te propose de le faire, c'est toi le guerrier. Il est... Mais... Non... Offre acceptée, oui. Regardez comme il parle, dialecte incompréhensible. La preuve que la maladie n'a pas plu le transformer comme il faut. Vous devez faire ce qu'il faut et vous nourrir de lui. Tu es bien, il faut le terminer. Jante Binocle. Tu es bien. Maintenant, nous devons nous repentir de sa chair. Oui, gardez sa peau. Je la veux pour la mettre chez moi. Magnification. Oh, attendez, je me suis encore trompé. Je ne pourrais vous dire. As-tu bien récupéré tout ce qu'il y avait sur lui, Gobu? Tout pour l'apparence, oui. Très bien. Il a parlé d'un trésor. Je te donne trésor. Ce travail, Gobu. Oui, c'est le trésor qu'il a entreposé ici. Chef, vous pouvez le... En parlant de trésor... Gardez le papier, quelqu'un? Chef? J'apprécierais que vous mettiez un endroit dans le temple pour toutes les choses les plus belles et les plus brillantes que vous voyez.
maladie. Il aurait pas été assez en bonne santé de toute manière. T'as vu? Il était tout chétif, tout bizarre. Oui, et puis il faisait que vomir, ouais. C'était spécial et rare, mais... Mais pas assez fort. Nous sommes une race parfaite. À présent, je dois retourner méditer, mes enfants. Vous m'excuserez? Oui, bien sûr. Je reviendrai vers vous plus tard. Vous pourrez rentrer avec Leviato. Mais méditez ici quelques instants. Oui, grand Lupino. Oui. Bonne journée à vous, mes enfants. Je ne peux pas dans les médias. Eh bien, Manafish, nous avons vécu quelque chose d'intense ce soir.